Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. José Dorado, bonsoir. Mais quel festival, quel concert, quelle musique. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vous allez bien, Juan José? Très bien, surtout parce qu'on attend ce match qui va arriver demain. On est à peine à 24 heures, de ce nouveau classico. Hein. Real Barça, même... vous avez eu les hymnes des deux clubs uniquement pour vous faire plaisir. Alors d'accord, c'est un classico, c'est un match important. On le suivra d'ailleurs en fil rouge demain à partir de 21h sur Europe 1. Ce sera le coup d'envoi, Juan José Dorado. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'enjeu? Est-ce que la Liga peut être relancée parce que le Barça a une certaine avance? Ah oui, la Liga pourrait être relancée. Pour l'instant, aujourd'hui, le Barça est devant à 9 points du Real Madrid. Si le Real Madrid venait à remporter ce match demain à 6 points et 12 journées et à 12 journées de la fin, tout est encore possible. Par contre, le Barça pourrait pratiquement tuer la Liga si demain il venait effectivement à s'imposer chez lui face au Real Madrid, parce que à 12 points et à 12 journées de la fin, ça paraît compliqué pour le Real Madrid. Mais les statistiques sont du côté du Real Madrid. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que depuis la saison 2015-2016, il y a eu 9 classicos du côté du Camp Nou, et sur les 9 classicos, le Real n'a perdu qu'une seule fois, et c'était il y a 5 ans. À chaque fois que le Real est allé à Barcelone, il a ramené un point, voire les 3 points, sauf ce match de la saison 2017-2018. Donc, pourquoi pas un exploit demain des Ancelotti, des Benzema, des Vinicius, des Camavinga face à Lewandowski, encore une fois, le meilleur buteur de la Liga. Mais c'est aussi un match important pour un homme particulier, Busquets, qui a déjà joué 41 classicos, et aussi pour Benzema, Busquets 46, et Benzema 41. Donc vous voyez, il va y avoir un match dans le match. Mais effectivement, la Liga pourrait être relancée ou voire tuée par le Barça. Absolument, et c'est pour cela qu'on suivra cette rencontre de très très près, coup de projecteur sur Europe 1 demain sur le Classico en Espagne entre le Real et le Barça. Le Barça avec Lewandowski, pas Pedri en revanche, et un cas dont on parle déjà de plus en plus avant même cette rencontre et l'issue de ce Classico, Juan José Dorado, c'est le cas de Carlo Ancelotti qui pourrait ne pas continuer avec le Real Madrid à la fin de la saison. Alors, vous voyez, les Espagnols se posent des questions bizarres, parce que Ancelotti a déjà gagné 2 titres cette saison, puisqu'il a remporté la Super League d'Europe, il a remporté le Mondial des clubs, mais il est en mauvaise posture en Ligue 1, on vient de le dire, à 9 points de Barça. Il est en mauvaise posture en Coupe du Roi parce que le Barça est allé perpétrer un hold-up du côté de Santiago Bernabéu lors du match aller pour les demi-finales de la Coupe du Roi et a gagné 1-0. Et c'est le 5 avril que le Real va devoir retourner à Barcelone pour essayer de se qualifier en finale, mais ils sont en mauvaise posture aussi. Et puis, bien sûr, il y a encore la Champions League. Mais imaginez que le Madrid ne remporte pas ni la Liga, ni la Coupe du Roi, ni la Champions League, parce qu'en face, on a quand même Chelsea là pour les quarts des finales. Et l'avenir d'Ancelotti pourrait être mis entre parenthèses, sachant qu'Ancelotti a déjà dit qu'effectivement, s'il avait à choisir, il préférerait rester du côté des Madrid. Il a annoncé que de toute façon, le Real Madrid sera le dernier club qu'il va entraîner. Mais il n'a rien dit des équipes nationales. Vous savez qu'il y a les Brésiliens
qui ont toqué à sa porte. Oui, ils ont toqué à la porte de Zinedine Zidane aussi et de beaucoup d'autres. On aura l'occasion d'en reparler. Mais je voudrais avoir la réaction de Grégory Schneider quand même sur le cas de Carlo Ancelotti et de son éventuel successeur s'il venait à partir. Ben, ça pourrait ouvrir des portes à un revenant. C'est une question que je voulais poser à Juan José. Est-ce qu'il a pas là, est-ce qu'en Espagne, on n'a pas l'impression qu'Ancelotti, quelque part, est au sommet de son art? Il est au sommet de son art, surtout. Le problème aujourd'hui, enfin le problème, c'est des romans, mais l'histoire avec Ancelotti, c'est qu'il a dû revenir pour sauver le Real Madrid. Vous savez, ouais. Il était là, il est parti parce qu'il a voulu partir. C'est Zidane par la suite qui a repris le Real Madrid. Et Ancelotti aujourd'hui est revenu pour sauver le Real Madrid. Ils ont remporté la Coupe d'Europe, mais c'est vrai qu'à un certain moment, on commence à être un peu las d'un entraîneur qui est là depuis un certain temps. On a beaucoup d'estime pour Ancelotti. On a beaucoup d'estime par l'homme et pour l'entraîneur. C'est le seul qui a quand même réussi à gagner dans les 5 grands championnats européens. Il a remporté toujours le titre. Mais du côté du Madrid, et vous connaissez comment c'est Florentino Pérez commence à regarder ailleurs. Et vous savez, il regarde notamment du côté de l'Angleterre et pas pour aller chercher un entraîneur anglais, mais pour aller chercher un entraîneur espagnol. Vous savez qu'aujourd'hui, en première ligue, il y a 6 entraîneurs espagnols et c'est peut-être l'un de ceux qui sont aujourd'hui en première ligue qui pourrait remplacer, si le Real ne gagne pas ou la Champions ou la Coupe du Roi ou la Liga, pourrait remplacer donc Carlo Ancelotti. Un petit mot pour conclure avec vous, Juan José Dorado, sur la sélection. C'est la trêve internationale qui approche et le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente a exclu 15 joueurs de la Coupe du Monde dans sa première liste. Eh oui, sur 25 qui étaient la Coupe du Monde, 15 sont partis. Alors, il y en a un qui tout simplement a quitté la sélection, c'est Sergio Busquets. D'autres, il y en a deux notamment qui sont blessés. Hein. C'est le cas des Unai Simon ou encore des Pedri qui ne pourra pas jouer demain. Mais vous voyez, des joueurs comme Coquet, qui est un classique, 67 sélections, comme Jordi Alba, 89 sélections, ne sont pas appelés lors de la liste qui a été faite publique vendredi par Luis de la Fuente. Mais il y a pire aussi, puisqu'il y a Carlos Soler, le Parisien, qui n'a pas été retenu. Sarabia, l'ex-Parisien, n'a pas été retenu. Ou encore, permettez-moi, il y a celui, le cas des Asensio, qui n'a pas non plus été retenu. Donc, vous voyez, c'est toute une révolution du côté de l'Espagne pour cette nouvelle liste. L'Espagne qui va rencontrer la Norvège le 25 mars à partir de 21h pour ce premier match des qualifications pour l'Euro 2024. Les éliminatoires de l'Euro, et je sais qu'il y a eu beaucoup de questions aussi en conférence de presse sur Sergio Ramos, on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être lundi, pourquoi pas entre 22h et 23h. C'est un cas intéressant pour nos grands débats autour du foot étranger comme on va l'installer désormais sur Europe 1 le lundi soir, donc entre 22 et 23. Vous serez là, Juan José Dorado? Bien sûr, et on parlera, si vous voulez bien, de Sergio Ramos, comme vous avez dit. C'est quand même quelque chose de très intéressant, ce qui s'est passé avec Sergio Ramos et l'équipe d'Espagne. Merci infiniment. À très vite, mon cher Juan José. Europe 1 Sport, la tournée européenne.